Hello à tous, update number 7, je pense. on sait pas encore. Et donc voilà, mon nouveau mock. Vite fait, comme ça je vous spoil pas trop. Hop, voilà. Et bah maintenant, comme vous pouvez le voir, bah on va regarder un peu ma chambre. Je pense que je vais pas montrer ma tête pour le moment. Voilà. Voilà un peu, hein, c'est ma collection. Donc vous pouvez le voir. Voilà. On va s'approcher. Donc ça c'est tous les commandants que j'ai. Donc il y a gris, Wolf, Bly, Cody, Rex. Les Jedi, si il y a Waxer et Boyle, il y a un Neo, un Stormtrooper Custom, Locke et Fox avec Fave Echo, le TAP, le petit Speeder, le Bipod, le Turbo Tank, le TRTT, le C5 Hunter, mon Black Hawk, un petit joueur de hockey des Timberwolves de Minnesota. Mes deux AAT, le canon genosien, des droïdes, Krivus, 3 Sage 13, des tanks, le bombardier droïde, le gros tank, le gros machin bidule chouette droïde, le canon genosien, encore deux, la frégate, des mecs pour mes. Mes trucs bizarres, je sais pas comment je fais ça. Stomach, voilà. Ouh, je perds la mémoire. Donc, ça, c'est un poster de Fast and Furious 5. J'aime bien celui-là. Mes affaires, voilà. Là, je suis fan de basket, du coup. Des Marcus Cousins et Kevin Durant. Mes gunships. Mon STT ou ATTE. Walker mis pour figurine Star Wars, j'ai vu ça aussi avant. Mon trépied. La prochaine scène, un haut-parleur pour écouter de la musique, le truc. Fusil à billes et des clones, le droid Naboo carrière. Des pièces. Encore des bacs de pièces, pièces blanches. La verdure, beige et brun. Oh mon dieu. Tout ce qui est intérieur, donc ça c'est mes rangements. Donc des pièces bleues ici. Des droïdes là. Des trucs que je sais pas trop ce que c'est. Les Mandaloriens. C'est vide, parce que bien sûr j'ai utilisé. Ça, je. Des pièces grises. Il y avait quoi là-dedans? Il y avait quoi là-dedans? Je pense qu'il y avait rien. D'accord. Un autre paquet de minifigs. Voilà. Voilà les clones. Voilà. Je pense pas que j'ai dit. Oui. Bah, on m'a demandé de montrer ma chambre. Donc mise sur Lego Production. Donc voilà. Je monte un peu ma chambre. Vu en 360 degrés. Ah, casse de clone là-bas. Dépôt de. Je sais pas trop quoi. De Lego Store. Ouais. Une casquette. Mais si. Bah voilà. Et en dessous de mes deux tables, bah c'est le bordel total, hein, vous pouvez voir. Mais au-dessus, c'est aussi le bordel. Juste que c'est un peu plus rangé. Enfin, c'est un peu moins rangé pour le moment parce que je suis en train de faire une mock là. Ça avance plutôt bien. Curved wall! Oups. Curved wall. Ah, il s'est cassé. Mon curved wall. Pourquoi il se casse mon curved wall? Voilà. Là, il est curved wall.
faudrait que je change un peu de design aussi, parce que des bases carrées, c'est un peu pourri. Donc voilà. Ça c'est un. Ben voilà. Update 7, 5 minutes cette fois-ci. La plus courte possible. Non mais. J'ai pas grand-chose à vous montrer, donc voilà ma chambre. Hein, c'est bof bof. C'est pas très grand. Et un volet, c'est pas très très grand. Bah, à cause de mes deux grosses tables de Lego. Voilà. Des bagues de rôle. Alors ça, le jour où je rangerai tout ça, je suis sûr que j'aurai plein de bases meilleures. Mais il y a de ces trucs à l'intérieur, mais c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. C'est des pièces que j'ai reçues comme ça gratuit dans des boîtes d'un mec qui en voulait plus. Il y a des pièces de toutes les couleurs, il y a tout. Même des trucs bizarres comme ça pour les soldats. Enfin voilà. Et même des méga blocks d'Halo. On l'avait acheté un jour. J'ai comme ça 3-4 bacs remplis de pièces. Bon là elles sont un peu plus triées. Mais bon. Voilà quoi. C'est bourré de trucs. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Là c'est mes figurines. J'ai pas envie de les montrer. Donc voilà. Prochain mock, bah je vous spoil un petit peu. Hein. Vous avez dû vous en douter. Hein. C'est Mandalorian. Bon voilà. Donc voilà. Ça c'était ma chambre. Bah voilà. Pour l'update 7. Weekly update 7. Merci à mes 111 abonnés. Vous êtes énormes, les gars. Juste épique. J'ai juste dû mettre une vidéo concours pour que vous vous abonniez tous. Non, mais super, vraiment. À tous les participants, bonne chance, hein, déjà. Et vraiment, merci d'avoir participé parce que je suis déjà une quinzaine de participants alors que la vidéo a même pas 2 jours, quoi. Enfin, peut-être qu'elle a 2 jours en fait. On s'en fout. Elle a même pas 2 jours, on va dire. Ça, c'est une lampe que j'utilise pour mon stop motion. Mais là, j'ai retourné. Je sais pourquoi. Avec des pinces. C'est cool. Des pinces. C'est classe, des pinces. C'est cool, les pinces. Parce que ça pince. Non, je ne suis pas fou. Oui, c'est pour le. Puis je prends ma. Truc. Ma lampe là. Jamais. Donc voilà. Cette fois-ci avec deux bâtiments séparés, donc un espace là. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas, je vais peut-être mettre des tables là, une petite terrasse sur le restaurant. Non, je déconne, les gars. En tout cas, j'ai fait un curved wall. Malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir faire un toit au-dessus. Hein. Je vais mettre un toit là-dessus. À part si je prends une plaque grise. Et que je fais comme ça. Voilà, j'ai un toit. Mais genre ça donnera pas bien. Non, c'est moche. Ouais, dites-moi dans la vidéo s'il faut que je mette un toit ou pas. Dans les commentaires. Si je dois mettre un toit ou pas. Ça m'intéresserait tout ça. Bon là j'ai un petit bug. Normalement il est plus curvette que ça. Mon wall, mais bon. C'est pas grave. S'il est cassé, tant pis. Bon voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like, laissez des commentaires. Question. Un toit ou pas? Allez, à plus les gars.